aujourd'hui, donc le lycée Diderot d'Aix-Marseille. Je vous demande de les applaudir. Ils sont là au complet, hein, toute l'équipe. Juste pour vous resituer le contexte, c'est un concours national ouvert à tous les bac plus 2, bac plus 3 qui sont en formation. Ils vont proposer une maquette. Il y a un phasage, les propositions sont ouvertes. Là, la communication est faite pour la quatrième campagne. Il va y avoir un avis de recevabilité de la maquette. Et ils viendront présenter leur produit final en juin autour d'un jury constitué de professionnels. Donc on remet 3 prix. Là, je vais vous laisser la parole à Monsieur de Fleury pour qu'il vous en donne le détail. Et ce qu'on a souhaité faire de ce point de vue, c'est surtout pas être Paris intramuros, et au contraire faire appel à Brest, Caen, Anglette, Marseille, Strasbourg. Et on a la délicatesse, quand ils sont meilleurs que nous, de les laisser passer devant. Exactement. Donc cette année, on a la chance. Donc c'est le lycée Diderot d'Aix-Marseille avec professeur Monsieur Santiago qui est ici, qui est représentant, qui ont pu nous faire le plaisir de monter de Marseille pour venir récupérer cette annonce et ce prix. Donc on est vraiment très heureux. Donc félicitations à Cédric Bonnefoy, Aurélien Brun, Valentin Dottori et David Pierre. Et peut-être que vous avez un petit mot. Bonjour. Déjà, on voudrait remercier nos professeurs. Monsieur Santiago et Monsieur Marseille qui sont venus avec nous et qui nous ont accompagnés pendant toute cette aventure. On voudrait remercier le lycée Raspail ainsi que Trimble parce que l'accueil au lycée Raspail était chaleureux. On a vraiment très bien été reçus. C'était sympa. Puis on est reparti avec un prix. Donc on n'est pas monté pour rien de Toulon. Enfin, pour ma part de Toulon. Et puis voilà, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à dire. Bon, on va peut-être parler un petit peu de... Ouais, CFP. Merci du beaucoup. Projet, du coup. Ouais. Aussi, juste pour parler un petit peu du projet, parce que y a pas trop d'informations dessus. On était sur un collège qui est situé à Vosges, dans le 42. Le collège fait 6000 m². On avait en charge toute l'installation CVC, donc le dimensionnement de la chaufferie, dimensionnement des installations de ventilation, plancher chauffant et des émetteurs dans les diverses salles qui étaient désignées. Aussi la plomberie, ouais. La plomberie et le solaire pour Monsieur Brun. Et l'étude thermique du bâtiment qui était sous RT 2005 quand il a été construit en 2011 et qu'il fallait passer en RT 2012 avec des contraintes sur une ossature bois. Voilà. Merci beaucoup, félicitations. Peut-être des futurs concurrents pour les trophées de l'ingénierie performante CFP-ICO. Voilà, donc félicitations. Donc on va vous remettre un prix d'un montant de 420 euros. À cette participation, donc on est particulièrement content. Et je voulais quand même le dire, donc il y avait un jury de professionnels qui jugeait ces maquettes, et on a été très très agréablement surpris de la qualité de ces maquettes que vous arrivez à fournir, avec toutes les contraintes horaires que vous pouvez avoir dans le cadre de leur BTS. Ils font pas tant d'heures que ça de cours, et voilà, un grand bravo, félicitations.